Alhamdulillah, wa salat wa salam ala Rasulullah. Aujourd'hui, nous allons vous parler aussi des blocages sur le travail, les blocages des diplômes. Il y a des gens qui peuvent même montrer tout ce qu'ils savent. Tout ce qu'ils savent là, ils vont montrer aux autres, ils vont passer leurs diplômes, ils vont passer leurs examens, ce sont eux qui vont passer. Mais toi-même qui montres aux autres là, tu passes, tu ne gagnes pas ton examen. Tu passes les diplômes, ça ne marche pas. Tu montres aux autres, c'est bien. À la maison, tu connais, c'est bien, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas aller passer un diplôme, tu vas échouer. Une fois, tu vas échouer deux fois, tu vas échouer trois fois. Il y en a même qui échouent plus que trois fois, vous voyez. Alors donc, il faut savoir que toi, tu as un blocage qui agit sur les études, sur les diplômes, sur le passage. D'autres aussi, c'est le travail. Alors, tu vas présenter ton CV partout. Et puis, on va aimer. Mais ce n'est pas toi qu'on va choisir. C'est quelqu'un d'autre qui serait choisi. Et après, quand on se rappelle de toi, on dit, aïe, 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 c'est celui-là qui correspondait. C'est comme ça, ça va continuer. Tu vas encore te présenter ailleurs, c'est la même chose qui va se répéter. C'est de l'argent qu'on te donne pour travailler, ça ne va pas terminer bien, ça va finir mal, ou souvent ça va finir mal avec tes partenaires. Ou c'est le mariage, ça va commencer, ça va finir mal. C'est l'enfantement, ça va commencer, ça va tomber. Ça, c'est un genre de blocage. Mais surtout, les diplômes, alors ça, c'est un genre de djinns qui font ça. Et d'ailleurs, des personnes qui font ça pour s'assurer même, ils vont te montrer dans les rêves quelque chose. Les djinns vont te montrer quelque chose dans les rêves. Avant même que ton résultat ne sorte là, les djinns vont te montrer quelque chose. Toi, tu dois comprendre que c'est les djinns qui font que pour toi ne marche pas. Ils vont te montrer qu'il y a telle chose. Ils vont te montrer que tu as perdu ton papier. Ils vont te montrer que tu as perdu un stylo. Ils vont te montrer que tu as telle chose qui n'a pas marché. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est quand le résultat va sortir, toi-même, tu vas comprendre effectivement que oui, j'avais vu que non, j'avais perdu telle chose. Mais mentalement, toi-même, tu sais que non, tu es au top. Tu connais tout ce qu'on devait poser comme question, tout ce qu'on devait faire, tu connais, tu maîtrises le sujet, tu es bien brillant, mais quand on t'interroge, c'est problème. D'ailleurs, même d'autres, même quand on les interroge dans les classes d'ailleurs, ils sont effrayés. Quand les professeurs t'interrogent, tu es effrayé comme s'il y a quelque chose qui va se passer. Toutes ces choses-là montrent que toi, tu as un blocage sur ton évolution. Ton évolution a tout un problème. Alors donc, comme vous savez qu'en ce moment, nous avons ouvert la promotion. Alors donc, profitez pour pouvoir profiter de la promotion par rapport au Muharram qui est le début du mois de l'an musulman. Alors donc, nous sommes en promotion. 35 000 est passé à 15 000. Donc, nous sommes ouverts pour ça par rapport au centre de Yopougon qui est notre siège social. Nous faisons face au cimetière. À Djamé, nous sommes derrière la poste de 220 logements. À Bobo, nous faisons face à la poste et à côté de la mairie, comme nous sommes à Paul Bouy, en face du marché de nuit. Tous ces centres sont ouverts 7 jours sur 7 pour le traitement, pour les soins, pour aussi la formation. Ceux qui veulent se former aussi, la formation aussi est ouverte gratuitement. D'ici la prochaine fois, nous demandons à Allah de veiller sur nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.